Ouais, il t'étrangle. Ah ouais. Ah bon, on peut étrangler dans le jeu maintenant? Putain, ça tue, tu sais. Ah ouais, moi j'étais à fond, frère. Ah non. Vibrer, gros. Quoi, étranglement. Tu sais, mitrailler le bouton vert, tu sais, pour. Toi aussi, tu peux mitrailler le bouton vert pour lutter contre l'étranglement. Trop dur. Mais la vérité, ce serait pas un truc d'art, franchement. Tu sais, en mode comme dans les jeux de JO et tout, là, tu sais. Ou les jeux de bras de fer, un truc comme ça, tu sais, souvent c'est un truc, faut mitrailler le bouton, tu sais, pour celui-là qui mitraille le plus vite qui gagne, quoi. Non mais trop bon, en plein combat, comme ça, tu veux étrangler un mec, tu sais, genre, voilà, tu vois, genre, faut mitrailler, tu sais, pour exercer la pression, tu vois, genre, t'es en plein combat, les balles, elles fusent et tout, t'sais. T'es en train de te faire étrangler, faut que tu résistes et tout. Non, putain! Ça doit être trop bon. Ah ouais, des phases que tu peux te faire comme ça. Attrapez-le, il est parti par là! Non! Mais non, c'est pas vrai, je suis même pas parti par là. Ah, on va t'appeler machine. Street lourd. Donc 6 secondes quoi. Non JB, non JB va te faire foutre. Non va te faire foutre JB. Ouais salut en tout cas. Trop grave. Ça va tranquille ou quoi? Putain mais trop grave ce type. JB. JB c'est JB. JB c'est celui de Tahiti. Ah sérieux gros, je te jure, tu sais, je vois, tu sais, je l'ai lancé depuis même pas 3 minutes le live. Il est là mon frère. Il est là, tu sais. Ouais, pépère. Enfin, pépère, ouais, non. J'ai mon pied qui a doublé de volume en fait, t'as vu là, je te disais, ouais, j'ai mal au pied et tout. Hein. Mon pied il a doublé de volume là, à 9h, je vais au docteur, je vais faire des radios. Mais sinon ça va ouais.
À part ça va quoi. Quoi? Peut-être c'est qu'il faudrait que tu repères un mec et il se fait buter. C'est comme dans Hardline, c'est ça, tu vois. C'est qu'il faut qu'en gros tu le repères et comme tu vois, il a encore le repérage de toi. Il suffit qu'il y ait un autre mec qui l'a repéré avant toi. Ah ouais, est-ce qu'il y avait un. Est-ce qu'il y a des commandants dans ta game? Tu sais, les mecs qui mettent le drone là et tout là. Tu vois, qui envoient le missile de croisière, les paquetages et tout là. S'il y a lui, c'est baisé gros. Si tu vas repérer un mec, mais lui, il le met avec un drone. Du coup, toi ton. Ah non, si tu joues en hardcore, il n'y a pas de commandant. Et ouais, est-ce qu'il y avait d'autres, peut-être d'autres joueurs, d'autres. Tu sais, d'autres snipers et tout, tu vois, qui jouent avec le drone ou quoi, avec des trucs comme ça, drone de repérage et tout, tu vois. Parce que si c'est ça, laisse tomber, hein, toi, ton repérage, il passe à la trappe, hein. C'est son truc qui prend le dessus, tu vois. Mais fais-le avec un drone, ça, t'emmerde pas, gros. Là, tu fais le con, gros. Tu restes à ta base, tu poses, tu sais, petit drone volant, là. Tu voles, il y a un objectif 35 mm, gros, tu prends tout. Tu prends toute la carte, avec. Tu les vois en noir et blanc, les mecs, c'est. En plus, t'as même pas besoin d'appuyer sur un bouton, ça détecte automatique. Hein? Dans le sniper. Ou peut-être c'est parce qu'il faut que tu fasses des repérages en tant que sniper. Peut-être c'est pour ça aussi. Très certainement, même. Ah, par contre, tu stream pas ta voix, je crois. J'ai fait des réglages, tu sais, JB, sur le. Les alertes pour les dons là, parce que quand même franchement ça la foutait mal quoi, le mec il te file un don et même pas une alerte quoi. Et je suis même pas sûr que j'ai bien fait les choses. Faudrait que je voie encore. J'ai l'impression que il faut. Enfin. J'ai pas envie de me mettre la pression seul tout, mais j'ai l'impression qu'il faut. Faut vraiment j'améliore encore, de plus en plus, tant que je peux, tu vois. Regarde, déjà là, t'as vu, j'ai pas stream pendant 2 jours, déjà on a perdu un follower là. On était à 334, on est passé à 333. On sait rien, tu vois, je vais pas. Je vais arriver à dormir, tu vois, je vais pas me pendre, tu vois, mais. J'ai l'impression que pour le succès qu'elle a la chaîne, j'assure pas assez en matière de. Moi quand même je fais le suivi, tu vois, t'as vu, je transfère toutes les vidéos, ça y est, j'ai plus une seule vidéo en retard là, tu sais, à transférer sur YouTube. C'est-à-dire la vidéo que je suis en train de faire là, bah
Voilà, tu vois, ce sera la seule que j'ai à transférer, quoi. Je suis content d'en être arrivé là parce que j'avais un sacré retard là. Déjà, je suis, on va dire, entre guillemets, vis-à-vis de ça, je suis à jour, quoi. Quoi que je reparte en flemme en mode. J'attends qu'il y en a 3 ou 4. Il y a une fois, j'ai voulu comme ça les cumuler, en fait, je me suis rendu compte que c'était une connerie. Vaut mieux au jour le jour. Chaque jour, dès que tu finis, tu balances, transfert, tu vois, sur YouTube, c'est bon. Ouais, j'y croyais pas, ouais. Bah, en plus, le pire, c'est que les logiciels, ils me disaient non, non, y a rien, tu vois. Mais c'est normal, en fait, j'avais pas couplé mon adresse mail de PayPal, tu vois, avec cette, avec ces applications-là. Donc, du coup, je pouvais les attendre, les alertes ou qu'ils me disent ouais, y a eu tant de dons et tout. Mais après, ouais, du coup, ouais, quand j'ai ouvert PayPal, ouais, là, j'ai clairement observé, ouais. Bah, tu le vois, tu sais, dans la vidéo, tu vois, je suis dans les menus. D'un coup, je m'arrête. Tu sais, d'un coup, je m'arrête, j'ai. No, really? You're kidding me? Tu sais, là, c'est parti, c'est là. Là. Après, je galère un peu, avec, comme je t'ai dit, avec les applis et tout. Hein. J'arrive sur PayPal et là, ouais, je peux que constater, tu vois, que ouais, ça y est, tu sais. Ça y est, il y a eu un don, quoi. Waouh. Je trouve que ça serait arrivé assez tôt, en fait, hein. Ouais, non, mais après les mecs ils enlèvent le follow. Tu sais, il y en a aussi, ils jouent avec l'alerte, tu vois. Il y en a, ils savent que, bah, tu sais, quand tu te. Comment dire? Quand tu te défollow, je crois qu'il faut que tu te défollow pendant au moins 48 heures. Si tu reviens, tu sais, sur la chaîne et que tu te refollow, il y aura re l'alerte, tu vois. Alors que si tu le fais 15 fois de suite, il y aura pas l'alerte, il y aura l'alerte que la première fois et c'est tout, tu vois. Il y en a aussi, j'ai l'impression qu'ils font ça pour ça, tu vois. Je m'en fous. Je veux dire, je m'en fous, même un mec qui follow pour 2 minutes, pour 1 minute, pour il fait ce qu'il veut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du bétail, quoi. C'est pas parce que t'as mis un follow que t'es marqué au fer rouge, quoi, tu vois. Je me souviens de ça aussi, tu vois. J'ai déjà entendu ou, tu sais, lu ou vu des mecs qui disaient, ouais. Mais genre, ouais, tu sais, il va me piquer mes spectateurs ou je sais pas quoi, tu sais. Mais qu'est-ce que je te pique, mec? Enfin, moi, en tout cas, je pique pas de spectateurs à personne, de toute façon. Mais tu vois, que même pour celui qui prétend qu'il se fait piquer des spectateurs par un tel ou un tel, qu'est-ce que tu lui piques, gros? Qu'est-ce qui t'a piqué, tu sais? Les gens, ils t'appartiennent. C'est bon, tu sais, le mec, il a signé avec son sang, son âme, elle t'appartient, tu sais. Tu vois, si on est deux fermiers, tu sais, que tu viens, que tu me voles une bête que j'ai marquée au fer rouge, ouais, tu vois, ou que j'ai tatoué ou quoi, tu vois. Ouais, tu m'as volé, ouais, tu m'as volé un. Tu m'as volé un bestiau, ouais. Entre nous, je trouve c'est un peu gros de dire ouais, il m'a volé mes spectateurs. Je sais pas. Les spectateurs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont intelligents, s'ils veulent rester là, ils restent là. S'ils veulent aller là-bas, ils vont là-bas. Hein.
Regarde, hein, et tu vois, et comment dire? Tu vois, sur Xbox 360, les listes d'amis, c'était limité à 100 personnes, tu vois. Je te le dis, hein, il n'y aurait pas eu de limite ou machin ou quoi, tu sais, j'en aurais peut-être 1000 des amis, hein, sur Xbox. Moi, je sais que, tu vois, voilà, je sais, on peut pas plaire à tout le monde, mais globalement, tu vois, je sais que j'ai plus souvent des gens qui m'aiment bien que l'inverse, tu vois. Après, ouais, il arrive des gens qui m'aiment pas, hein, c'est normal. Hein. Maintenant sur One, je sais pas c'est combien à la limite, là je suis déjà à 123 et ça a pas l'air de me dire que je suis au max quoi. Par exemple sur Défiance, ils m'ont pas aimé. Hein. Ouais, salut Phoenix. Attends, non. Angelo, pardon, parce qu'il y a aussi un Aigle Phoenix et je voyais pas bien. Il nous a fait une dinguerie celui-là. Il fait halluciner, gros. Alors, tu vois, il aurait pu donner ou 1000 euros ou 10 centimes, et je me souviendrai toute ma vie. Belek, tu vois, si un jour c'est vraiment la chaîne, elle se met à marcher de ouf et tout, il y a des mecs et ils ont filé 50 euros, 100 euros, on se rappellera même pas de lui, tu vois. Mais lui, tu sais quoi, rien qu'avec 1 euro, je vais me souvenir de lui. Je te le garantis. Ah, il m'a tué le mec. Il m'a tué, quoi. Il m'a fracassé le type. Pas mis en PLS, mais il m'a pris quand même. Des gens qui font une cour. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ou tu sais, il faudrait créer une commande comme par exemple si tu tapes la pointe d'exclamation et son pseudo Peacehacker. Ou un truc, à chaque fois qu'il rentre Peacehacker dans le truc, il y a un des bots qui lui dit welcome, first donator, donator
Y a pas un truc comme ça? Y a pas possible à faire comme ça? Pour dire, non mais toi, tu tiens la chandelle, mec. On te passe le flambeau quand t'arrives. Ou pareil, tu vois, faire un système qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui est donateur, ça y est, tu vois, il a le droit de poser des liens dans le chat, tu vois, contrairement aux autres. Ce serait pas con, tu vois, tu sais, pour motiver, tu vois, peut-être les gens, c'est pour les motiver à donner ou pas, tu vois. Ils disent, ouais, ça me coûte 1 euro, je me fais une petite pub. Il a pas mal de spectateurs, allez hop. Je sais pas, tu vois, savoir, tu vois, j'en sais rien. C'est une idée, hein. Qu'à un moment donné, il va falloir un peu de financement, gros. Hein, tu vois, enfin, moi, c'est pas pour. Je dis pas ça en mode réclame, hein, c'est pas ça, mais. Moi, là, de toute manière, je mets de la thune de côté, de mon côté, quoi, de mon argent à moi et tout. Sans tout ce qui tombe là dans le compte PayPal, je le touche pas. Hein. Mais voilà, il faudrait arriver à financer un PC valide, quoi, qui envoie du pâté, quoi, tu vois. Qu'on puisse faire quelque chose de mieux, quoi. Regarde, des mecs qui donnent, mec, il n'y a pas d'alerte, mon frère, c'est la honte. Il y a un mec qui follow, il y a une alerte. Vas-y, trouve les rats. J'ai déjà vu 1000 chaînes où le mec qui follow, il n'y a aucune alerte. Par contre, s'il y a un don, il y a une alerte. J'ai jamais vu l'inverse. Ouais, j'ai fait de l'inédit, frère. C'est ça aussi, on est en mode Joe la débrouille là. Sinon tu mets genre un truc avant le pseudo. Comme l'épée, tu vois. Ouais. Ouais, mais ça, j'ai pas vraiment le choix, frère. Peut-être si je prends le mode turbo là, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou si je souscris premium chez un des bots, tu vois. Mais c'est pareil, ça c'est con, ça c'est de l'argent bêtement dépensé. Pour le moment. Après, si on arrive à un stade, la chaîne elle est en mode max, tu peux rien faire de plus, tu vois, il y a encore des dons et tout. Vas-y, hein, bah là tu prends des abonnements chez les robots, les trucs comme ça, hein, pour avoir, tu vois, plus d'émoticônes et tout là. Mais je vois l'idée est pas mal quoi. Je sais pas, moi tu lui mets un truc VIP ou quoi, tu vois. Il a été donateur, même 10 centimes, il a un logo VIP, il s'ajoute sur son truc pendant tout le mois, quoi. Ou toute la semaine, ou un truc comme ça. Je sais pas, faut voir. Franchement, moi j'y connais pas encore assez. Ça, tu vois, c'est des trucs, j'y connais pas grand-chose. Autant le logiciel là, de régie de stream, tu vois, genre OBS, XSplit et tout, c'est bon, ça. Tu mets un PC capable de le faire tourner, gros, je le tue le logiciel. Mais par contre, ouais, ça là, tu vois, les petits trucs de chat et tout comme ça, pff, je suis vraiment pas une bestiole. Je dépose des œufs, voilà, je me rappelle plus de ce que je voulais faire. Waouh, pas mal. Super violent le rollback quand même.
Moi, à mon avis, t'en as. Ouais, bah. Bah, regarde-moi ça, MDR. La plus pour long, à mon avis. Oh, mais attends, il y a ma dernière gorgée de café et tout. Mais du coup, Angelo, t'es toujours là? C'est là qu'il me répond, ouais, mais je me fais tellement chier là, je me casse. Ouais, je suis toujours là, mais là, j'en peux plus, ciao. Toi, JB, ça fait combien de temps que tu utilises Twitch globalement, que ça soit en spectateur ou en diffuseur? Je sais pas, t'as déjà diffusé d'ailleurs à ce propos? Ok. Oh, manifestement, en tout cas, tu kiffes être spectateur, quoi. C'est pas quelque chose qui te. Enfin. Ouais, ça a l'air d'être un plaisir pour toi d'être spectateur. Tu me diras, ce sera toujours mieux que de regarder la merde qui te serve à la télé, là, et le mensonge. Tu vois, comme j'avais dit une fois en rigolant, mais finalement, il y a quelque chose de sérieux au fond, hein, c'est. Au moins ici, c'est basé sur la vérité, tu vois. Sur peinture ou navire? Allez, on va faire un peu de peinture. Tu sais, au fond, moi j'aimerais bien animer des gaming talk show en fait. Tu vois? Je suis une vraie pipelette, tu vois. Des fois, je parle bien plus que je joue, tu vois, bien souvent. Les gaming talk show, je crois que c'est réservé que aux Twitch partners, tu vois. Tu vois, c'est quand un abonnement, que tu peux souscrire un abonnement là, tu vois.
Je comprenais pas au tout début, tu sais. Je voyais les streamers, tu sais. Des fois, tu sais, je les voyais, tu sais, pour un don ou quoi, ils disent même pas merci ou quoi, tu vois. Et genre, un abonnement, c'est bon, ils s'arrêtent de jouer. Ouais, merci, frère. Petit geste, tu sais, de la main sur le cœur et tout. Ouais, merci. Franchement, frère, tu déchires. Putain. Oh, franchement, t'assures. Je me dis, mais c'est quoi? C'est rien, le mec, il a pris. Il a cliqué sur. C'est gratuit et tout. Là, je comprenais pas. Gaming talk show, c'est quand tu joues pas, tu vois. Tu fais rien, tu sais, tu fais que discuter avec tes viewers de, tu sais, de jeux vidéo et tout ça, tu vois. Ah, jusqu'à j'ai compris que pour en fait pour s'abonner à la chaîne c'est 5 euros par mois. Voilà, j'ai commencé à comprendre. Ah là, je me suis dit, ah ouais, ok. Ah, je comprends mieux pourquoi il s'arrête et tout. Parce que qu'est-ce qui vaut mieux au fond? Un mec qui te fait un don là, une fois, tu sais, ou même un gros don, tu vois. Ou il vaut mieux quoi? Ou alors un mec pendant, tu sais, ou enfin un tas de mecs. Tu vois, qui pendant je sais pas combien de mois, tu vois, bah pour le reste de l'année, c'est bon, tu vois, genre c'est bon, toi, tu sais que c'est bon, tu sais, t'as 5 000 fois 5 euros, tu sais, par mois, c'est bon, ça, ils t'ont fait ton salaire, mec. C'est mort. Ça y est, c'est bon. Tu peux faire que jouer aux jeux vidéo pour eux, quoi, c'est bon. Clairement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que eux, c'est des partenaires de stream. Tu verras, tu peux y aller même, vu que t'as un profil, tu vois. Même si t'es que spectateur, tu peux y aller. Hein. Tu sais, il y a devenir partenaire. Je sais plus exactement où c'est, je crois que c'est tout en bas des pages là. Devenir Twitch partenaire, tu vois. Là, c'est parti. Là, c'est parti, tu vas avoir la fonction, enfin tu auras la possibilité d'activer ou pas, tu sais, la fonction abonnement, machin et tout. Ça y est, tu sais, t'as plus de limite, tu vois, pour les sauvegardes, tu sais, de. Tu sais, tes sauvegardes de stream. Plus besoin de faire des micmacs comme moi je fais là, toujours transférer sur YouTube et tout. Enfin, je le ferai quand même, tu vois, je garderai quand même cette habitude, mais. Ouais, mais bon, je pense qu'il y a une partie qui est gardée par Twitch, tu vois. Même si elle est minime ou quoi, tu vois. À mon avis, t'as pas l'intégralité des 5 euros. Ça m'étonnerait. Après, y a pas de RAM, tu vois, mais. Fois de plus, une sorte de quenelle que tu te manges et t'as rien à dire, tu Après, tu peux le prendre dans ce sens-là aussi, hein. Tu peux être en mode ouais, mais merci déjà Twitch, tu sais, de me laisser me faire de l'argent comme ça, jouer aux jeux vidéo, tu vois. Tu vois.
Merci d'exister, de me permettre de le faire, tu vois. Ouais, vas-y, prends-moi 1 € sur chaque abonnement, c'est pas grave, vas-y, c'est cadeau, tu sais. Après, si tu la fais en mode 2,50-2,50, c'est des putes. Parce que là, c'est toi qui fais tout le boulot, tu vois, pour régaler les gens. Et ils ont juste à mettre un truc en place. Enfin, depuis que ça a été mis en place, de toute façon, maintenant, ça leur revient gratuit, tu vois. Donc là, après, c'est un coup de pute, quoi. Pour moi, là, c'est un coup de pute. J'entends souvent parler de résistance là dans des streams, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Comme si tu vois on était sur le point de s'en prendre une là, que un truc que je sais pas, tu vois. Allez! Oh, pour une merde. Je voulais en train d'indiger. Faut les filer une 0,30. Hein. Ah non! Ouais, du vol, du viol, tu sais quoi? Ça revient au même là, à ce stade. Hein. Sérieux, il te donne que 1,50 sur les 5?
T'es renseigné là? T'es allé chercher l'info? Sur les 5 euros, ils te donnent que 1,50? Tu me diras aussi, mais pff, quelque part. Bon. C'est clair, il y a coup de pute. Hein. Si c'est ça, il y a coup de pute. Hein. Si c'est ça le barème, là, il y a coup de pute. Clairement, il y a coup de pute. On peut même parler de viol, là. Mais. Si c'est vraiment ça. Regarde, tu te retrouves avec 153 000 abonnés. Ah, t'as dit imagine. Ah ouais, non, non, mais non. Non, mais cherche même pas, c'est clair que c'est pas ça. Le pire truc qu'ils peuvent te faire, c'est arriver à hauteur de moite-moite, tu vois. 50-50, tu vois. Comme je te disais, alors que c'est toi qui fais tout le boulot, quoi. Enfin, tout le boulot. On s'entend, hein. C'est pas du boulot de jouer à un jeu vidéo, tu vois. Surtout si t'aimes ça, tu vois, partager ce que ta game, tout ça. T'as... Voilà, ça va pas être comme, vu comme une contrainte en soi, tu vois. Mais voilà, 153 000 abonnés ou un truc comme ça, tu sais, ça te fait 153 000 euros par mois. C'est bon. Sais, je leur dirai, hein, je leur enverrai des mails tous les jours pour leur dire, vous êtes sérieux, bande de pute. Vas-y, garde le reste, c'est pas grave. T'sais. De toute façon, si j'en plate 150 000 par mois, frère, ça y est. C'est tombé la neige, quoi. Même pas gage, je fais des dons et tout derrière. C'est que je garde même pas tout pour moi, avant de perdre la tête. Toute façon, je l'ai juré à mon équipe. Hein. Avant de commencer les streams, je l'ai juré à mon équipe. Je leur ai juré. Quand il y aura des dons, on est ensemble sur la même partie. Même stream, enfin tu vois, tu as participé vachement à mon stream et tout, machin, il y a des dons qui sont tombés, on redivise. Enfin, mais là, je te parle une fois que la chaîne elle est à son max, hein, qu'on peut plus rien améliorer, que tu vois, tous les abonnements avec les bots sont pris. Il faut bien à un moment donné, voilà, si ça tombe encore, qu'est-ce que c'est quelque chose. Sérieux, bande de pute. J'ai pas compris là. Pas trop saisi, JB là. Je m'affole pas, tu vois, je me dis non. Fasse quelque chose de toute cette merde. Ah, c'est pas une bonne idée en fait. Tu vois, regarde 18 minutes. Ah non, un jour. Ah ouais, mais celle-là, je dois les avoir depuis longtemps. Ah non, de toute manière, ça augmente pas la durée.
Je vais garder sur moi ça. Je donnerai à bouffer en temps. Ouais, salut, super. Comment que ça va ou quoi? Ah bah ça a pas l'air d'aller, j'arrive pas à dormir. Et demain j'ai un gros examen. Moi j'ai un gros examen là dans 1 heure, moi. Je vais me faire examiner le pied, moi. Ouais, Neyes, bah, il était là tout à l'heure, Neyes, plus tôt là. Mais je démarrais pas le stream parce que je savais que j'allais rien faire du tout, complètement. Tu vois. Comme je t'ai dit, ça serait pour démarrer un stream et rien faire. Au moins dire c'est un gaming talk show, tu vois, dans le joue à. Tu vois, dans le truc là, la gestionnaire de. C'est pas, tableau de bord. Tu vois, dans le tableau de bord, pouvoir dire. Tu vois, je suis pas en train de jouer à un jeu, tu vois. J'ai pas envie que les gens ils arrivent sur mon stream. Vas-y, je crois qu'il est en train de jouer à Ark, il fait que discuter, tu vois. Toi, c'est un examen de géo, ouais. Moi, ça va, à mon avis, ça va être une radio des métacarpes, moi. Ah, depuis il y a du nouveau. Hein. Dans le genre. T'as vu, on a un plaisir au volant. Non, je plaisante. On a préparé ça là. Ça c'est pour thème le Neyes, le lacrym, tu vois. Ça, quand c'est sauvage, c'est super dangereux, tu vois. Vaut mieux. Dès que tu l'endors, tu le ramènes là-dedans, tu vois. Bon, bah vas-y, je vais faire la peinture. Je vais finir la peinture. Ça demande beaucoup de narcotiques. Eh ouais. Non, 3 heures, putain. Vas-y, c'est clair, je vais au docteur, j'en profite. Dans 2 minutes, putain, je suis dégoûté. Mais non.
ton live a crash? Merde. Merde mec, tu me dis le live et la crash, moi c'est là, je voyais à 5 spectateurs. De toute façon, c'est le jeu entier qui va crash, frère. J'ai mes derniers instants. Waouh, de la balle. Je le fasse bouffer au plus vite. Alors, la gueule, ok. Ok, bah tranquille. Tout ce que je pourrais te conseiller, super, c'est stresse pas, tu vois. Ça sert à rien, de toute façon, que tu stresses ou que tu stresses pas. Si tu dois le passer ton examen, tu le passeras. Si tu dois le rater, tu le rateras. Hein. C'est comme ça. Hein. Et de toute façon, si t'as fait ce que tu, si t'as fait ce qu'il faut, tu le passeras. Hein. Voilà, c'est tout. Moi, peut-être j'ai le pied cassé, tu vois, je suis même pas en stress. Bon, ça me fait un peu chier ou. Ça me fait même pas peur en fait. Ouais, ça me fait chier en fait. Hein. Je devrais un peu arrêter de m'en battre les couilles comme ça. T'sais.
Ah ouais, carrément. Moi j'ai le pied là, il a doublé de volume, donc tu vois, ça fait 2 jours qu'il y a eu l'impact dessus. Là, il a doublé de volume, tu vois, donc on va finir par aller au docteur, tu vois, avant qu'il y ait un truc irréversible ou je sais pas quoi. Je voulais pas y aller au début, je mettais de la glace dessus, ça avait l'air de suffire, mais là, on dirait que c'est pas non. Je dirais que c'est pas à prendre à la légère en fait. Ah, j'ai fait le con, hein. J'ai fait le con, je regrette, voilà. Coup de nerf là, j'ai mis un coup de pied dans une chaise, frère. Plus ça a été en chaise l'affaire, elle a même pas bougé, gros.
Ah, j'en étais sûr. Putain. Ah non, c'est bon. Ah ouais, tu trouves toi le lit en bois, ça fait classe? Non, je pense que c'était ironique. Hein. Dégueulasse. Les primitifs, tout dégueulasse. T'as vu, ils ont dit 2 minutes, mais ils sont longues leurs 2 minutes quand même, hein. C'est le mec qui se plaint que son jeu il marche encore. Mais non, mais qu'est-ce que... Voilà. Putain, je me suis fait arnaquer. Ouais. Ça c'est plus important. Mais non, mais non, mais non.
Utiliser la plateforme, ouais. Ok. Ouais, le lit, non, mais c'est que tu sais, il y a le seul modèle au-dessus, c'est le lit superposé. En fait, si tu veux, c'est. Je savais plus trop où les mettre, les lits, mais en fait, je savais pas aussi qu'on pouvait les empiler les uns sur les autres, en fait. D'ailleurs, c'est ça que j'aurais dû faire, en fait. Ouais, je vais sûrement le détruire, en plus, il y en a plein de nouveaux et tout. Ouais, et puis encore que. On le voit pas, tu vois, c'est pas. On voit pas et c'est bien pratique, tu vois, quand il y a des morts d'affilée là ou qu'on fait mumuse à la base là. En tout cas, franchement, j'espère qu'ils vont pas me garder là-bas, là, pour mon pied, là, parce que sinon, ça va pas être bon, ça. Ouais, voilà, ouais, comme tu dis, c'est comme un lit de secours, ouais. Je te jure, je crains trop ça, en fait. Qu'ils me disent, ah non, mais là, vous avez un truc grave, faut faire une opération le plus rapidement possible et tout. Quoi, t'es en train de me dire que je restais coincé là jusqu'à demain, vous allez me shooter à la morphine et tout. J'espère que c'est moins grave que ça, que le mec il va me dire vas-y prends des pilules, mets de la crème et ça va passer, tu vois. Ah salut Laurie. Ça va tranquille ou quoi? Tiens, on n'a pas eu la visite de Maeva. En tout cas, ça fait longtemps. Moi j'ai le pied éclaté mais sinon ça va. Tranquille. J'ai le pied, il a doublé de volume mais non mais sinon ça va. Sinon à part ça, ça va.
Là, de manière, ouais, vers 9h30 grand max, je vais au doc. Et ouais, nous deux, c'est bon, on a une jambe entière de niquée, quoi. Comme ça, au moins, clairement. Plus de doute. Dégoûté ça. Tout ça, moi le pire c'est même pas genre une chute, un truc ou quoi. Un coup de nerf. Comme ça, cadeau. Comme ça au moins, c'est bien de ma faute. Je peux bien m'en prendre qu'à moi-même. J'ai qu'à pas m'énerver, j'ai qu'à fermer ma gueule. Tu parles de Maeva, j'ai comme. Non, non, pas du. Non, non, rien à voir, JB, mais. Elle tue les émoticônes que t'as mis. Mais non, rien à voir, rien à voir. La vérité, je m'en bats les couilles. Ben ça y est, une fois. Merde! Et une fois, elle t'a recalé comme ça, mais en croyant que tu l'as draguée. Bon, voilà, moi après, maintenant que tu m'as expliqué, bon. J'ai un peu plus de conviction qu'en dire que tu la draguais pas ce jour-là, tu vois. Dire je suis un peu plus convaincu, tu vois. C'est Tahiti, machin, elle s'appelle Maeva, bon voilà, tu vois. En même temps, bon. Il y avait peut-être une. Justement, quoi. En fait, elle aura peut-être. Finalement, ouais, moi, avec du recul, je le vois plus en mode. Le fait que tu l'aies dit en chuchotement, tu vois, c'était plus peut-être une forme de respect, quoi. Genre. Après, voilà, bon, il n'y a pas de drame non plus, tu vois. Elle t'a pas insulté, tu vois. Toi non plus, d'ailleurs. Enfin, pas que je sache, parce qu'après, j'ai pas accès au chuchotement. Ah, ah ouais, Laurie, mais toi au moins ça valait le coup, tu vois. Moi, ce que j'ai voulu repartir en mode seum, tu vois. J'ai balancé une espèce de penalty dans une chaise en fer. La chaise, elle a même pas bougé, quoi. Enfin, j'extrapole, hein, mais tu m'as compris, quoi. Même pas un pied tordu ou quoi, rien. Intact, la salope de chaise. Moi, mon pied, par contre, lui. Ouais, voilà, ouais, j'ai compris, j'y vais. je sais, ouais. Ouais, je sais, Laurie, ouais, faut s'asseoir dessus, ouais, des fois. En fait, faudrait que je me pêche un sac de frappe. Ce serait parfait, tu vois. Ça, ambiance coup de nerf, hop, changement de pièce, pim, paf, paf. Tu vois, tranquille, personne n'a souffert. Personne n'est blessé. Et hop, tu reprends la discussion. Je disais quoi déjà?
Ouais, c'est bien ça, JB. Bonne chose le sac de frappe, franchement. Après, si tu tapes comme une merde, tu peux te blesser même sur un sac de frappe, hein, mais bon. Ou si tu tapes à froid, tu vois, tu peux le sentir passer, hein. Bah ouais, comme tu vois, Lorient, on en est à la peinture, tu vois, bas enfer. C'est la fête, quoi. D'ailleurs, j'avais préparé des feux d'artifice, ils ont disparu. Il y en a qui ont dû se faire des petites rigolades. Oh, c'est pas bien grave, hein. C'est pas très coûteux à produire des feux d'artifice. Non, non, ça encore, ça va, JB, c'est pas la question, mais je veux dire, tu sais, si tu fais mal ton geste ou quoi, si tu produis mal ton coup, tu vois, tu peux te flex le poignet un petit peu ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. Ceux qui savent pas taper ou quoi, tu vois. Ou si tu fermes mal les poings, tu vois, du genre. J'ai eu des mecs, hein, pourtant des mecs, c'est pas des baltringues ou quoi, hein, mais. Le mec en mode, il serre son poing pour mettre une droite à l'autre, il met son pouce à l'intérieur de son poing, mec. Aïe aïe aïe. Ah bah ça a payé de suite, hein, gros. Il a mis une droite, pas deux. En même temps, ça va pour lui, ça a suffi, tu vois. Le mec d'en face, c'est couché cash, tu vois. Mec. Lui, il est sorti en mode j'ai le pouce violet, frère. Ah, salut furtif. Ah ouais, il est arrivé furtivement avec un double C. Tu l'as même pas vu venir, tu vois. Trop furtif. Trop furtif pour ma vigilance. GG pour le coup. Franchement, je commence à en avoir marre de la peinture. Ouais, je vais finir les rambardes quand même, manière de dire. Ah ouais, non, il y a eu de la casse dernièrement. Ça a été très mal repeint. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un orage qui se prépare. Non. Non, non, là il y a un problème. Ah ouais, parce qu'elle est à réparer en fait. Ouais, il faut quoi? Simon, lingot, combien? 4, 13, 4. Il est toujours en sang, ton dino? Quel dino il a? Quel lequel il est en sang?
Lequel? Je vois pas. Pas de dino en sang, Laurie. Soigner plus ou je sais pas quoi. Ah, tu parles de lui. Non, mais quand même, depuis le temps, ça y est, récupéré quand même. Ah non, ouais, lui, c'est une horreur en fait. C'est pas du tout un bon plan ce dino là. C'est une merde. Il sert à rien en fait, je sais pas, tu vois. En bas. Je finirai par en venir à bout de cette base. Hein. Ah voilà, j'étais tombé. Puis il tombit. Il tomba. Ils tombèrent. Ouais, ça va se faire JB là. Bah, ils vont en rajouter là des nouveaux serveurs donc. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Si rajoute des nouveaux serveurs, j'y vais direct. Parce qu'arriver sur un serveur déjà en place, toi-même tu connais les bails, on va se faire baiser. T'arrives, c'est en mode de, tu contactes la team déjà en place sur le serveur, quoi, la meilleure team. Les gars, s'il vous plaît, je peux construire là? Bon, j'aime pas ce genre d'ambiance de merde. À la limite, si ça doit être ça, alors autant que ce soit nous qu'on pose la question comme ça, tu vois.
Putain, ça fait dégueulasse l'encoignure qui reste là. Si je finis ma rambarde, je le ferai. Ta peinture, tu fais du boogie boogie en même temps. Pas de problème. Ah merde, non. Ah, je vais devoir vous laisser, je vais devoir sortir. Ok, ça marche, Laurie. Bonne journée, tout, à bientôt. Allez, atterri. Je comprends pourquoi c'est une race en extinction en fait. Ouais, maintenant ça y est, tout c'est clair en fait. Si c'était aussi con que ça, ces putains de Quetzal de merde, c'est normal qu'ils ont eu une extinction. Ok, ça marche, ouais, t'inquiète, on sera là, Laurie. Inch'Allah, si j'ai pas une opération du pied, non, c'est bon, on sera là. Merde, mais moi aussi je devrais être en extinction. Ah ouais, faut aller trop vite. C'est un défi. Oh putain. Ah, attends, attends, attends. C'est trop gorbique, c'est trop. Peinture express. Ah là, ça reste trop chaud. Ah, même le cri de connard que ça pousse, quoi.
connais le blédard, Vlad? Ouais, quand même, ouais. Ouais, t'as vu, des fois je sors et tout. Ça m'arrive, des fois je vais dans des snacks tout. Ouais, non, je trouve pas quand même. Non, non. Ouais, franchement, personnellement, je me trouve pas ayant un accent, quoi, tu vois. Après, des fois, je peux te faire un accent, mais c'est volontaire, c'est je rigole, 5 minutes, tu vois, machin. Mais... De toute façon, clairement, lui et moi, on fait pas dans le même registre, gros, je te le dis de suite, hein. Comme je t'ai dit, tu vois, faire l'accent, ça va 5 minutes pour rigoler, vite fait, tu vois. Rigole, bon enfant, bon esprit et tout, tu vois. Maintenant, de la faire, tu vois. Moi, enfin, personnellement, voilà, je le juge pas, hein, mais pour ma part, quoi, en tout cas, moi, je ferai pas ça, tu vois. Enfin, surtout de l'accentuer encore plus et tout, tu vois. À la debouze, quoi, tu vois. Moi, je sais pas, non. C'est pas mon. Apparemment, c'est quelque chose que ça plaît aux gens, hein, tu vois, mais. Finalement, je suis pas là pour. Enfin, je suis pas vraiment là pour plaire, tu vois. Si les gens, ça leur plaît ce que je fais, tant mieux. Après, tu vois, ils sont les bienvenus. Même ceux à qui ça plaît pas, on va dire. Mais après, ouais, voilà, tu vois, genre. Je veux pas me travestir, tu vois, pour le spectateur, tu vois. Comme tu vois, cet après-midi, franchement, j'ai vu un truc là, Bibix, tu vois, une réaction de Bibix sur le live. Enfin, hier après-midi, pardon. Hier après-midi, j'ai vu une réaction là de Bibix sur un de ses lives là. Il m'a régalé. La vérité, il m'a régalé. Moi, j'étais en mode, franchement, mec, respect. Il y en a, il lui a dit, je sais plus quoi, je te fais un don de 100 euros si tu joues à tel jeu ou je sais plus quoi, machin. Il lui dit, mais écoute, mec, je sais pas qu'est-ce que tu proposes là, qu'est-ce que. Je sais pas pour qui tu m'as pris là, mais ici y a pas de ça, y a pas de. Je te fais un. Tu sais, vas-y, tu sais, sur commande ou je sais pas quoi, tu vois. Ah, il m'a régalé. Franchement, je l'ai envoyé direct dans le chat. Je lui ai dit, franchement, mec, respect. Là, tu m'as régalé. Là. Ça, moi, ça, c'est des choses que j'ai. Tu vois, j'ai du respect quand je vois ça, tu vois. Et j'espère, je vais, moi, si un jour, je sais pas, un jour ça monte ou un truc comme ça. J'espère que je reste dans un truc comme ça, tu vois. Genre, continue de te respecter toi-même, tu vois. C'est pas, ça y est, tu vois. Pour 50 euros, pour 100 balles, ça y est, tu perds la tête, tu vois. Bah, tu m'as déjà vu, tu vois. Je suis en mode, je fais mes trucs et tout. Par exemple, il y a un mec qui me pose une question là sur le jeu. Il me dit comment on fait de la viande séchée ou quoi. Vas-y, je prends 5 minutes. Voilà, il m'a même pas donné 1 euro, je m'en fous. Il me demande comment on fait, vas-y je vais lui montrer, tu sais, je vais sur l'armoire à viande et tout, je lui montre, tu vois. Vas-y, tiens, la viande séchée, on fait comme ça, voilà. J'interromps un peu mes actions, mon programme, tu vois. Je prends 5 minutes pour lui, voilà, c'est cool, tu vois, je le fais de bon cœur, c'est tout, tu vois, ça s'arrête là, tu vois.
Maintenant, le mec il me dit ouais, change de jeu, vas-y, passe sur tel jeu. Le pire des fois, t'envoies, il te dit ça, mais d'une façon super directive, mec. Genre, on dirait c'est ton patron, frère. Vas-y, passe sur tel jeu. Mais attends. Paye-toi une Xbox, paye-toi des jeux, paye-toi une manette Elite, là, et va jouer à des jeux, toi aussi. Si tu casses les couilles. T'as jamais vu des mecs? Bah, c'est obligé avec tous les lives que t'as suivis de moi, JB. C'est obligé que t'as déjà vu ça. Des mecs arrivent sur mon live? Il y a ni bonjour, ni merde, ni rien. Même ni bonjour pour moi, ou pour vous, ou pour. Rien. Le mec, premier truc. Ouais, salut, mais il n'y a pas de salut. C'est quoi ton gamer tag? Wesh. Ouais, c'est presque une agression le truc. Ouais, je le vis presque comme une agression, quoi. Je serais pas issu un peu, tu vois, de milieu un peu. Voilà, je vais pas me la jouer ou quoi, tu vois, mais de, tu vois, de milieu un peu de rue et tout. Je me sentirais presque agressé, quoi. En plus là j'ai vu des trucs, c'est chaud en fait hein. Faut éviter de mettre pause et tout pendant un stream, hein, d'aller dans ta liste d'amis et tout. Tu peux te faire des DOS, je sais pas quoi là. Ouais, mais bon, franchement, quelque part, il y a presque un problème, quoi. Pourquoi le mec, il arrive de suite et te demande ton gamer tag? Tu veux quoi? Je sais pas, tu vois. Moi, je sais pas, en jouant normalement, tu sais, je croise des joueurs, ça te fait des amis de plus dans tes amis, c'est bon, tu fais un groupe, tu peux jouer, ça y est, au revoir. Ludo, t'as pas besoin d'aller sur live d'un mec pour te faire des amis, tu sais. Je suis pas contre l'idée, tu vois, mais logiquement, t'as déjà ta liste d'amis, t'as déjà ton truc. Enfin, tu vois. Après, il y en a peut-être qui tiennent aussi à passer sur le stream, tu vois. Je vois, on est à 9 spectateurs, les gens. Aujourd'hui, je trouve c'est un peu calme sur les follow. Mais sans vouloir me la jouer du tout. Hein. Mais franchement, hein, s'il y en a qui l'ont pas fait, qui ont zappé ou qui. Ça serait sympa. Ça dépanne bien, t'as vu, c'est gratuit, ça te prend même pas 15 secondes. Un clic. Chut, au revoir. Et nous, ça fait très plaisir. Après, si vous aimez pas, hein, cliquez pas. C'est ça, au milieu de la journée, là, on a été à 15. h 55. Bientôt 9h. Attends, je vais faire ce dernier carré. Ah non, ouais, il n'y a pas dernier carré. T'es fou, mon frère. Ouais, si, ouais, on va dire, ouais, pour cette ligne, quoi.
Vas-y, je vais checker mon pied direct là. Je trouve que je commence à sentir des espèces de picotements. Ça présage rien de bon. Hein. Merde, je me suis trompé. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Toujours pas avancé le navire, mais au moins la peinture a bien avancé, sa mère. Un mec qui va au pinceau, quand même, je suis déter. Faites un don, je demande pas, mais je floue les gueules. Un barge. Je check mon pied. Bien enflé quand même. Il est peut-être, je sais pas, il a peut-être pas doublé de volume, mais presque à mon pied. C'est chaud quand même. Là, je mets de la glace dessus là, mais ça m'étonnerait que ça va suffire hein, quand même. Je devrais passer des radios, hein, ce serait moins con. Ça fait chier, franchement, j'ai pas envie d'aller au docteur. Putain, ça casse les couilles. En fait, c'est pas le fait d'aller au docteur, c'est pas machin, c'est tu sais, les files d'attente, les trucs. Putain, c'est galère, c'est relou. Et puis, je ferais mieux d'y aller avant que le week-end il arrive, quoi, parce que. Ah non, mais arrête! Ah ouais, non, mais c'est bon, les docteurs, ils font pas le pont, quoi. Oh, j'ai kiss, bien quoi. Ouais, il y a des limites, toi, ouais, t'es limité à 176 dinos, je crois. Tu peux pas en avoir plus, même si t'es plusieurs trappes fusionnées, tu vois. C'est. En 76 dinos par tribe, mais bon, avant que t'en aies 176, quand même. Franchement, faut en vouloir, faut être déter, faut vraiment être en mode Pokémon, quoi. Ils sont pas tous très utiles, tu vois. Ils sont pas non plus. Puis il y en a, ils te servent juste à avoir les œufs qui te permettent de faire les Kibble.
tu vois, pour apprivoiser d'autres. Et une fois que t'as ce que tu veux, tu peux les buter, tu vois. Nous, dernièrement, on a fait de l'abattage massif là. On en a mis plein devant la porte là, à coup de lance-roquettes. Il n'y avait pas de repreneur, tu sais. On a traité ça à la verticale en fait. Ah ouais, hashtag bande de sadiques. Bah ouais, c'est plus marrant quoi. Ah non, mais ça. Tu vois? Ouais. Ça, je sens que ça va pas être une bonne idée en fait. Ah ouais, tu peux peindre le mortier. Ou les pierres. Mais ça, c'est pas une bonne idée. Pas en. Ah, mais attends. Of course. Of course, Jean-Pierre. Du coup, on dirait un peu comme du grès, quoi. Problème, non, tu vois, ça a peint le mortier dans l'histoire. Non. Là, s'il pouvait te laisser le mortier gris là, ça ferait trop classe. Ouais, salut Olaf. En noir, c'est pas une bonne idée parce que si elle est impactée, qu'elle est à réparer, ça va pas se voir. Faudrait que j'essaye avec la couleur olive. Pas la couleur du texte, ça.
Alpha. Ouais, salut Jekis. Je t'ai salué, hein, mais je crois que tu m'avais pas vu. Ah ouais, t'as pas dû entendre. Bon, tu repars, n'hésitez pas à suivre. Ouais, bah vas-y, à plus tard, hein, Laurie. À toute, quoi. Oh, ça a changé, pas tant que ça. Je trouve pas, moi, pour ma part, en tout cas, enfin. Non. Putain. Fais chier. Faut le faire très vite en fait le message. Ah putain! Ah, ça veut pas le prendre le. Putain. Pas possible. Moi, je dois me faire un caisse. J'ai trop besoin qu'on m'attende. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, ça doit être les... Ok, j'ai compris, c'est le signe. Non, eh vas-y, là je peux pas valider, putain c'est de la merde. Ou alors j'ai un rollback. C'est de la... Franchement, c'est de la merde. Vous êtes d'accord avec moi, non? Enfin, je sais pas.
trucs qui vont me rendre dactylo, tu sais. Ouais. Yes. Ouais, putain, trop bon. Je me demande si j'aurais pas dû mettre risque élevé, tu vois, donc. La déco, c'est bon. Eh ben d'accord. Profite de mon joueur au moins. Il y en aura assez le temps que j'aille au docteur. On va savoir. Hein. Ben là que je finis à l'hôpital avec ces conneries de docteur là. Ce putain de pied à la con là. Va savoir, ce soir je finis à l'hosto. Putain. Ah, c'est pas exclu, hein, JB. Hein. De toute façon, si je me fais opérer, là. Ah, remarque, je pourrais peut-être finir chez WAM dans. Ouais, faut voir. Déjà, je sais même pas comment je vais conduire. Si je me fais opérer, c'est obligé, ils vont me garder la nuit, gros. On me relâche que demain matin. Après d'à côté, tu sais, vaut bien. Enfin.
Théo. Voilà, j'ai pas compris, gros. Ah, ben ça va revenir tout ça là. Ah ouais, t'as mis un time-out, t'as jacké sans faire exprès. Ah, c'est pas grave. Ça va, tu vois, c'est un mec qu'on connaît et tout, tu vois, c'est pas... J'espère qu'elle va pas me faire une histoire pour ça, tu vois. Puis j'espère qu'il va pouvoir lire quand même ce que tu lui as mis. Ou attends qu'il revienne ou quoi, ou je sais pas. C'est 1 minute 30 les time-out alors. Je sais pas pourquoi en fait je baisse la tête à mon personnage quand je baisse la tête pour lire le chat en fait. N'importe quoi, sérieux. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ah, Jean. Thank you.
callback de merde. Hey, salut Maeva, comment ça va? Quoi? Pour le time-out? T'as mis à Jackie sans faire exprès, mais c'est pas grave, mec. Ah non, mais non. De toute façon, faut que j'apprenne à unban là parce que. Ouais, tranquille, Maeva. Au calme. Ben, au calme, ouais, au calme. Sauf que bon, ouais. J'ai le pied qui a doublé de volume là. J'ai pris un coup de nerf. J'ai mis un coup de pied dans une chaise en fer là. Je me suis éclaté le pied là. Je vais aller passer des radios, je pense, parce que. En 2 jours là mon pied il a doublé de volume. Je vais pas tenter le diable tu vois, j'aime pas trop aller chez les toubibs, les trucs tout mais. Ça, on a trouvé comment on ban. Par contre, pour un ban. Ah, mais je sais! Bien sûr! Je suis trop bête, sérieux. Je me demandais où j'allais foutre toute cette merde, tous les bacs sont pleins. Son bide. Hop. Dans son bidon. Ouais, je sais, c'est pour Urban. Voilà, je suis largué. C'est F de T-Rex? Kibble de T-Rex? Jackis. Et désolé pour le timeout, mec. Il a pas fait exprès, JB. Ah ouais, voilà ce que je voulais faire.
Merde! Ah ouais, elle a tout perdu. Le truc, il disait un jour et tout. Ah ouais, je suis pas là. Ouais, je le laisse. Oh, la faute à JB, tout ça, putain. Ouais, tu sais quoi? Ta merde à 30, 30 ans. Je sais pas, JB, t'as pas dit que t'avais mis un timeout à Jekis sans faire exprès, hein? En fait, tout à l'heure, JB, il a pas fait exprès, t'as mis un timeout. Ah, mais quoique, tu peux peut-être pas lui mettre un timeout, étant donné que lui aussi, il est admin. Bon, enfin bref, de toute façon, enfin, en fait, t'étais parti avant, je crois. T'es parti avant qu'il clique dessus sans faire exprès, enfin voilà. Calme. Moi, les essayages de chaussures, ça va pas être pour aujourd'hui. Ça, c'est certain. Oh non, ça...
Et pour le coup, Jekis, mes projets, ouais, ça va être d'aller au docteur, me faire prescrire une radio et. Ou peut-être tu parlais de projets dans le jeu? Même sûrement, peut-être. Ouais, il a mauvaise mine quand même, le plaisosaur. Je le voyais pas comme ça. Je crois qu'il avait une tête un peu plus amicale, tu vois. Ouais, un peu de BF de temps en temps aussi, ouais. Sérieux? Ça, c'est un trophée quand tu butes un Rex Alpha. Jekis. Ah, désolé les viewers. J'aurais vraiment aimé continuer, mais on va favoriser la santé. Non, je crois que ça s'est pas arrêté d'enfler en fait. Ah, il faut vraiment que j'y aille. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Tout. Bon live, bonne game, tout, tout. Non, c'est pas bonne nuit, non, je vais pas me coucher là. Je vais au docteur là. Il me faut des radios là. Souhaite-moi bonne chance plutôt. Hein. Ou bon rétablissement. Je suis dans la merde, gros. Ah, j'espère que c'est pas grave, mais putain, il est vachement enflé le pied. Ça sent pas bon. Ah, je me suis éclaté, gros. Je me suis éclaté le pied. J'ai balancé un espèce de penalty dans une chaise de fer là et je me suis éclaté le pied, gros. Sur un coup de nerf là, ça fait 2 jours et le pied fait que enfler, il désenfle pas, tu vois. Je peux plus là.
Ça me fait flipper en fait, tu vois. Je préfère être sûr, y a rien de cassé ou quoi, machin, tu vois. Ouais, merci JB, c'est ça que je vais avoir besoin. Ah, merci, Maeva. Et puis, ouais, bah, sûrement à tout à l'heure, ou alors sinon, bah, ça sera demain ou après-demain. Alors là, je serai là pour un bout de temps. Ouais, tout à l'heure, ouais. Allez, je coupe là. J'arrête là. Bye tout le monde.